Et bonjour à tous, l'ami Fob à l'appareil, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, merci de le demander. On se retrouve sur 7 Days to Die. On est jour 29, on a passé la horde de manière plutôt aisée, ça s'est plutôt bien passé, malgré quelques petits dégâts. Et donc, on poursuit l'aventure. On a déjà calé une quête dans tout ça. Ah, coucou YouTube, ouais. Ouais, pour la petite histoire, voilà, je le redis, mais je stream comme ça tous les dimanches. Je vais refaire pause. Je stream comme ça tous les dimanches pendant 4-5 heures et toutes les demi-heures, je fais des coupures sur le stream. Ça me permet de couper aussi la vidéo YouTube, de mettre un petit fond d'écran qui sert d'écran de fin et après, bah, je relance en refaisant une intro YouTube. Donc les gens qui me regardent sur le stream, ça fait bizarre parce que je dis 6 fois bonjour à tous, c'est l'ami Fob, mais ça me permet de pas faire de montage du tout et ça rend plutôt pas mal sur YouTube, je trouve. Ça fait amateur, mais ça rend plutôt pas mal. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, du coup, j'avais dit que non, il faut dire que je fasse tourner les forges parce que les forges se vident. J'ai une chier de pierre en vrai. On va faire fondre tout ça. On va se refaire du ciment. Faire 400. Pas besoin de faire du fer spécialement. C'est pas la bonne forge, voilà. Non, c'est pas du fer, c'est du fer forgé. On va quand même en préparer un petit peu. Et de l'acier. C'est pas encore pour tout de suite. Au moins les forges elles tournent. Est-ce que j'ai du fer à refaire fondre? Oui. C'est rien que ça traîne dans les coffres. On va juste faire comme si tu avais Alzheimer, ouais, bah. Un peu de ça aussi. Je peux mettre ça là comme ça brutalement, oui. Et puis voilà, au moins les forges elles tournent. Je vais refaire aussi de la bouffe. Des bacon et des œufs. 10, c'est pas mal. Et puis voilà, donc ça c'est en route. Faut que je me refasse des fleurs un petit peu, j'en ai plus beaucoup des chrysanthèmes. Donc là je peux me faire des bandages médicaux, ça j'ai compris, mais pour le moment j'en ai tellement, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Si ça sert à rien d'autre. Donc ça va être une vidéo ouais, un peu particulière où je vais reprendre le temps de regarder un peu toutes les crafts que je peux faire parce que. Je garde beaucoup trop de merdier d'après mes viewers. C'est quoi guérir une infection? Ah, c'est aussi pour. Ah, c'est pas mal ça. Dans la partie armement. On va pas se mettre des lunettes ni rien, ça vaut pas le coup, mais je vais garder ça histoire de dire que je les ai. Dégâts augmentés à la pierre. Ok, donc c'est ce que j'ai déjà. Donc ça, je pourrais le revendre. C'est rien d'en avoir 30. Le silencieux, ça baisse les dégâts, donc ça n'a pas d'intérêt. Ensuite, là-dedans, bah d'ailleurs, j'ai tous les mods encore ici. Pourquoi j'ai des mods partout? Ah, ça perd ma souris des mains. Il y en a le carpien qui se réveille. Rafale de 3 balles, ça m'intéresse pas. Automatique, ça m'intéresse pas. Ah, c'est ça les. Est-ce que je vais avoir besoin de mettre sur ma. Ah, les garder pour les revendre au final, ok. Ok, d'accord. Peut mettre des upgrades inutiles sur des outils tant qu'ils sont compatibles. Ah ok, d'accord. Donc ça veut dire que ça pourrait le mettre sur ma hache, mais je crois que ma hache elle est full mode en fait. Donc ouais, en tout cas je peux le garder. Tiens, je vois ça, ça me fait penser. Fallait que je me fabrique plus de poignées. Comment ça s'appelle en vrai?
je peux les faire, les poignées. Bon, ça m'attendrait que ce soit ici loin quand même. Si tu as de la place sur la masse, ça marche aussi. Ok, je vais regarder ça. C'est pas celle-là, c'est l'autre poignée là qui augmente la durabilité des items, c'est plutôt fort, mais elle doit être encore, encore verrouillée. Je la trouve même plus, c'est dingue. Peut-être que si je la cherche, ce sera plus simple. Non. Bon, c'est pas le même skin. Non, c'est pas celle-là, c'est... C'est celle-là. C'est modification structure. Yes. Ah, je peux la craft en soi. je peux la craft, même si ça me coûte plutôt cher. Je sais pas si c'est bien rentable de le faire maintenant. Là, j'en ai une, deux, trois. Ça, je pourrais pas. Donc, en fait, c'est juste pour ma hache et ma pioche. La hache et l'âme. Je vais y prendre, on sait jamais. Parce que la question, ouais, ça sert à rien parce que j'ai pas de place, c'est bien ce que je pensais. J'ai pas de place. Ok. Sur la masse, par contre, je peux mettre un. Je peux mettre ça. Ok, ouais, je gagne un dégât, effectivement. Merci pour l'astuce. Tige enflammée sur la masse fruit de lumière. Alors, ouais, c'est ce que je faisais. Enfin, je sais même pas si je l'ai fait, en fait, sur cette partie, mais je l'avais eu fait sur, sur d'autres parties que j'ai fait, et je trouve le rendu vraiment horrible, quoi. En fait, moi, je trouve plus que tu ne vois rien du tout que qu'autre chose. Que au moins, là, j'ai avec la lampe frontale, c'est bien pour éclairer. Et les dégâts de feu... Ouais, ça met un dot, je vois, mais enfin moi je trouve vraiment que c'est qu'on voit rien du tout quand on l'a équipé ce truc. Ok, donc ensuite, on m'a dit, c'est rien d'avoir autant de radiateurs. Dommage, ça me dit pas combien j'ai besoin de radiateurs pour faire ce truc là, pour regarder le nombre précis. Tête de flèche en acier, flèche en fer, je vais les garder parce que... C'est tant qu'un zombie brûle, il est pas mort, ok. Moi je vois. Moi je vois. Ça me le dit. Ouais, effectivement. Un radiateur, donc soit faut que je m'en garde juste un. Après, est-ce que j'ai besoin de faire ça sur tous les véhicules? Donc mini moto, moto, gyro et 4x4, donc il faut que j'en garde 4 en soi. Ceux-là, on va les scrap. Parce que j'ai retenu que ça se vendait plus cher, mais c'est pareil, en soi du laiton. Perdu celle-là. Du laiton, j'en ai plein, quoi. Donc ça veut dire que là, je pourrais revendre ce laiton-là. Ça sert à rien de garder autant de laiton, en fait. Du laiton, ouais, il y a un moment j'aurai besoin de faire mes douilles de balles et je serais peut-être content d'avoir mes 14 000 laitons. J'ai fini de lancer le ballon. Ok, bah je vais peut-être alors revendre celui-là. Et puis là, je vais me garder ce stack-là. Les moteurs, je vais en avoir besoin pour... Je devrais peut-être me faire une autre caisse qui va s'appeler véhicule. Je devrais peut-être faire plus de caisses, je suis en train de penser. Je crois que ça se fait à l'atelier. Je peux faire ton recyclage sur l'établi aussi. C'est quoi, c'est caisse de rangement, je crois. Ouais. Il faut des clous, évidemment. C'est pareil, vu que je sais pas ce qu'il faut, bah, je prends jamais ce qu'il faut. Caisse de rangement, je vais en faire 3.
Je vais venir chercher, c'est ça, il manque trois espaces là. Je vais aller jusqu'au bout. Donc à faire. Ah, j'en avais déjà là du fer forgé, j'avais pas vu. Donc ouais. Alors je vais me faire une case véhicule. C'est pas vraiment du véhicule ça. Ok. Les phares. Voyons logique. Et l'essence aussi. C'est pas des caisses inscriptibles. J'ai pas fait des caisses inscriptibles là. Ah merde, putain, quel con. Ah là là. Merci. Donc. Non, casse-toi toi. Donc on a dit tout ce qui est véhicule là. Ensuite, j'aurais peut-être bien séparé ça, mettre les mods pour les armes et ça, les parties d'armes dans une autre caisse. Ça aussi, c'est véhicule. Je crois. Peut-être virer, ouais, tous ces trucs là. La marmite et tout, ça me sert plus à rien. Soit ça se vend 8$. Ouais, et recycler. Ça, c'est plus des armes qu'autre chose ou des outils, quoi. Pourquoi ouais, je sais des fois. Ah putain. Marmite, t'en auras besoin. Effectivement, il y a un établi que j'ai pas, j'oublie tout le temps. J'oublie tout le temps. Touk. Donc là-bas, on va se remettre. Puis arriver. Véhicule. Je préfère. Là, on va se mettre les. Je sais pas comment ça s'appelle ces trucs. Yes. Je sais même pas à quoi ça sert tout ça. Là, on va se mettre. Voilà, il y a les mods. C'est chiant, mais j'aime pas que le divers soit au milieu. J'aurais mis des caisses en haut pour tout ce qui est forge. Je vois que monsieur aime bien les étages. Ah, ce qu'il y a, c'est que si tu mets. Ouais. Faut les mettre là, les caisses à la limite. Alors, en fait, il y a deux écoles. Enfin, peu importe, on va pas passer 20 minutes sur du rangement, mais moi j'aime bien quand j'arrive, je pose tout. Et si j'arrive, je dis attends, faut que j'aille poser la forge, puis là j'ai ça. Et puis attends, j'ai oublié de remettre le fer. Enfin, je suis obligé de faire des allers-retours. Donc là, je vais à la forge, je me dis bon, j'ai besoin de ça, 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 et je redescends avec tout ce qu'il faut. Hein. Je sais pas s'il y a pas un truc qui est mieux, mais voilà, s'il y a un truc qui est plus logique. Ok. Ah, il y a un truc qui me fait chier, c'est con, mais j'aime pas que divers soit là au bord en fait. Oh, au milieu plutôt. Je peux pas tout prendre d'un coup. Ça va être chiant. On va céder du vélo. Je préférerais que divers soient plus à gauche. Dorénavant.
fait le tour, monsieur. J'arrive. J'ai pas le temps, tu vois bien que je range ma maison. Putain, est-ce qu'ils sont impolis, ces zombies? Ok. Et donc là, les verres, les verres. Les divers. Sur le bouton. Et c'est déjà 4 heures du coup. J'aurais passé ma nuit à faire ça. Hop, on va renommer ça vite fait. Hiver, bouffe. Et médoc. Doc. C'est ça, ouais. Mais pour moi ça a plus de sens que ce soit comme ça. Donc là l'hiver pour le moment il n'y aura rien. Peut-être séparer la bouffe et les pardon, les graines, du coup j'ai un autre coffre. Ouais je sais pas, je sais pas, je sais pas. Donc là j'ai ça à vendre. Là il n'y a rien qui se construit, c'est très bien. Là ça doit être cuit depuis 2 heures et j'ai oublié y enlever du feu. Là c'est pareil. Quoi que je pourrais laisser mes forges tourner constamment en vrai, hein. J'ai suffisamment de bois maintenant pour... Ouais peut-être pas. Je sais pas, je me rends pas compte si c'est bien de faire tourner constamment ces forges ou non. De rien, il faut fondre tout ça, il y en a pour un moment, je suppose. On va recharger un peu en bois. Pendant qu'on est là. Je sais pas s'il y a un intérêt d'y mettre sur les 3 slots. Touk touk touk, voilà. Alors du coup je reprends la conversation. Ouais le recyclage de la marmite, c'est un peu passé à la trappe, c'est pas grave, je leur fabriquerai une. Oh, j'ai de nouveau 6000 de ça, bah allez. Partir à la vente. Ça on va y mettre ici. D'ailleurs je dois peut-être manger, ça fait un moment que j'ai pas mangé. Donc ça c'est pourquoi j'ai pas compris. Ah c'est pour fabriquer des... Merde, des trucs un peu avancés. C'est chiant qu'on puisse pas se voir les compositions d'ici, mais bon. Dans ce cas-là, je vais peut-être tout prendre et regarder, effectivement. S'il n'y a pas des trucs sympas à faire. Oh, bah, la balette en fer, tout ça, je peux pas. La machette non plus. Masse en acier. Ouais, y'a rien que je puisse faire en vrai. J'ai pas tant d'intelligence que ça avec mon perso. Ouais, je vois. Donc en gros, c'est clairement du craft. Non, ça devrait pas aller ici, mais bon, c'est pas grave. Touk touk touk, donc on laisse les forges tourner, on part là-dessus. Ça pousse. Tout ça, ça pousse, faudra qu'on fasse des croque-pots, mais je ferai ça dans la nuit. On va essayer d'optimiser un petit peu le temps qui passe. Et d'aller faire d'autres choses la journée. Et typiquement, qu'est-ce qu'il y a? Putain, c'est tout super loin. Tout super loin, mais bon, on va aller faire ça, suivre comme ça. C'est quoi que ça se passe? C'est dans le biome brûlé.
Mission mini bike. Ah oui, si je trouve un passant de gaz, mais je sais pas où ils sont. Ah d'ailleurs, j'ai pas pris ma thune. Parce que qui dit faire la mission dit après passer un marchand pour la valider et donc. Donc peut-être acheter un creuset ou des béchers. Faut voir sur quelle aptitude tu te bases. Alors du coup moi je suis plutôt parti sur force. Je te montre vite fait. D'ailleurs j'ai un point que j'ai même 3 points que j'ai pas mis, putain. Donc là-dedans, j'ai pris chanceux quand même et ça. Fera peut-être le coup, mais là il faut 10 en force, ouais ça coûte cher quoi. Peut-être prendre la ruée vers l'or au max, comme ça c'est fait. Cuisiner, ouais, plus vite. Ça peut être pas mal en vrai. Mais du coup, il faut 7, je suppose, voilà. Via la campagne, il faut que j'augmente ça, mais c'est pareil, ça va me coûter cher. Je veux pas spécialement augmenter mon courage, mais j'aurais bien voulu avoir plus de graines. Ouais, je fais un espèce de ménage de printemps, effectivement. Je pense que c'est surtout l'intelligence qu'il faut que j'augmente pour aller chercher tout ça là. Puis ça à moyen terme. Donc force, intelligence et avec un petit peu en courage. Peut-être. Du coup. Médecin, ça fait quoi? Ouais, c'est peut-être pas le plus utile pour le moment. Aventurier téméraire. Accélère, hein. Ok. Ah ouais, c'est fort ça, ouais. Eh ben allez, on va partir là-dessus. Sans ingénierie, tout ça, pour le moment, je suis bloqué, donc c'est rien d'aller plus loin. Donc là, il faudra 7 d'intel. Ouais, parcours, ça me fait mettre des points en agilité, ça me fait chier, quoi. Du coup, on va essayer d'augmenter là. Ah, ça m'a coûté 2 l'autre. Ok. Oui, j'ai dépensé 3, je sais plus. Touk. Allez, on prend sa caillasse et on y va. Il arrive à trouver la hitbox. Pour mettre tout ça là-dedans. La double récompense de quête est extrêmement puissante. Ouais, j'imagine déjà que les récompenses de quête en soi, c'est super fort, je trouve. Car tout mon super stuff que j'ai, je l'ai trouvé en récompense de quête. Je trouve bien plus de choses en récompense de quête qu'en fouillant les maisons. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Alors où je vais aller en fait? Parce que c'est bien beau tout ça, mais. Ah non, c'est dans le désert, ok. Ok, c'est. Bah, une fois de plus, je vais me faire chier sans la mini-moto. Ça a dû respawn alors? Bon. Ouais, je vais me faire chier sans la mini moto aller encore super loin quoi. Demande les récompenses de quête. Des fois, tu fais des T5 tours avec 3 vitamines. Ok. J'ai entendu un bruit bizarre. Ok, ouais, ça doit être super fort effectivement. Peut-être limite partir là-dessus dès le début. Est-ce que c'est mieux que je fasse ça, ça? Ouais, je pense que ce sera moins casse-gueule de faire le. Ouais, mais ça me fait un sacré détour, donc non. On va passer par le chemin biscornu hein, qui a été fait à la main par les développeurs, qui est très merdique à chaque fois que je passe dessus. Voilà, je déteste ce truc, quoi. Ah oui, puis je peux pas parce que j'ai du bordel dedans. Qu'est-ce que c'est relou, à chaque fois que je passe par ici, je me fais la réflexion. Ça a vraiment été mal foutu ce truc. Et c'est pas général aléatoirement, c'est pour ça que je râle autant. Faut construire une passerelle, ah ouais, mais enfin tu vois, je viens toujours un peu les mains dans les poches avec le minimum de trucs pour faire les quêtes. Déjà que j'ai un inventaire bien plein, je trouve. Du coup, je pense pas à chaque fois à prendre de quoi faire une passerelle, mais je vais y venir, hein, parce que c'est vraiment casse-pied.
Je pourrais boire et manger un coup intelligent. Je sais qu'il faut que je loot tout ça, hein, mais vu que je parle là spécifiquement vider une maison, je me retrouve encore avec l'inventaire plein, donc au pire j'y prendrai au retour. Perso, tu passes pas par là, ah ouais? Bah après c'est le point où est ta maison, ouais, mais pour moi ça a toujours été le chemin le plus rapide. Passe derrière l'église, donc il me semble que l'église est là. Ah, il y a un chemin qui fait comme ça, tu veux dire? Ok. C'est le seul petit bout que j'ai pas exploré. On va se taper les changements de contraste dégueulasses. Et ça fait 25 minutes, pardon, 26 minutes que je suis en train d'enregistrer, donc je pense que pour ne pas faire une vidéo qui va durer trop longtemps vu que je vais explorer la maison, je pense que je vais refaire ma coupure pour l'ami YouTube ici. Bonjour madame. Et relancer l'enregistrement derrière. Ce sera plus simple. L'église est pile au-dessus de Jen, la route n'est pas totalement visible sur la map, mais c'est praticable. Ah oui, l'église c'est ça. Ah, tu prends ce chemin-là en fait, toi, au lieu de moi je tourne ici et je me fais chier, toi tu prends ici juste après. Ok, on va tester. On va tester. Ça me change rien, moi, de toute façon ma maison est au milieu de la carte, à peu près. Donc où que j'aille, c'est la même distance. Donc voilà. Boîte aux lettres, y a rien. C'est parfait, elle va respawn. Hop. Et puis du coup, bah ouais, je fais la coupure pour l'ami YouTube ici. Et puis du coup, bah voilà, vous savez, hein, dans la suite de l'aventure, on va aller explorer cette maison-là. Et sûrement celle qui est là-bas au bout, vu que j'ai vu qu'il y avait une deuxième quête. Et puis du coup, voilà. À tout de suite sur le stream.